Il est lancé. Bonjour madame, monsieur ou autre chose, on ne sait jamais. J'espère que vous allez bien. C'est Yvasson Studio. On se retrouve pour un nouveau jeu. Ça s'appelle Minecraft Dungeons. Et une fois n'est pas coutume, je suis avec Yakipon, Ralgamaziel et Draken. Hello, bonjour, bonjour. Bonjour. Ah, cet enthousiasme. On n'a jamais des intros parfaites, c'est génial. Je pense que c'est notre marque de fabrique. À force de... Comment est-ce que vous allez, les copains? Bah écoute, ça Écoute, va. ouais, pas trop chaud. ça va très bien, un Ça peu va. frais. Vous avez de l'eau pour vous Hydratez-vous. hydrater? J'ai une demi-bouteille d'eau à côté de moi, c'est bon. Bon, ça devrait aller alors. Nous sommes sur Minecraft Dungeons qui vient de sortir cette semaine. C'est dans l'univers de Minecraft, mais on ne va pas crafter, on ne va pas miner. On ne va pas s'amuser à faire du pixel art, c'est vraiment une vraie aventure avec un scénario sur Minecraft, ce qui n'a, c'est un tout autre jeu. On est sur un jeu type Diablo-like, un petit, tout petit peu roguelike aussi. Je pense que ça peut être bien sympa dans cet univers cubique et simpliste. Voilà, on va voir comment ça va évoluer, ce qu'on en pensera aussi. Et du coup, ben, on va commencer par regarder ce début d'histoire et donc de la cinématique. Paramètres cinématiques d'introduction. Vidéo d'introduction. Ouais. Il était une fois une grande aventure. Dangereuse. Abandonné par sa famille, un villageois bat la campagne en quête d'un abri. Mais il ne trouve que de la haine. Ceux qui l'ont trompé. Il poursuit son errance, sans but précis. Jusqu'à ce qu'enfin, il trouve quelque chose qui changera sa vie pour toujours. L'orbe de domination. Par le mal, animé par la vengeance, absolument rien ne résiste à l'archi-la-joie. Et toute résistance se révélera futile. Les villageois déferlent sur la campagne. Sur les réseaux sociaux. Je me faisais exprès de pas parler pour dire de la merde, mais quand même, pourquoi il y a plein de villageois qui ont des sourcils d'Emmanuel Chin? Non, pas lui. Oh, j'aurais été comme ça. Et voilà. Voilà. Donc, scénario assez simpliste, hein. J'ai envie de dire, c'est le même scénario que Medieval au final. Enfin, en gros résumé. Dans les Donc, grandes lignes. voilà, dans les grandes lignes. J'ai bien aimé le méchant qui dit: Oh, l'orbe de domination! Oh non, c'est pas bien! Oh, j'y vais quand même! Ça, c'est. ouais, bah, la taille de l'orbe aussi. Ouais. Draken, comment est-ce qu'on lance le tutoriel? Alors nous faisons partie en ligne et vous lancez le jeu. Vous faites démarrer une partie et le Ouais. tutoriel va se lancer. Il y a une petite cinématique dans le tutoriel. Ok. On peut se faire un petit compte à rebours pour le lancer en même temps si vous voulez. Je vais lancer, ça y est. Ah merde. J'ai lancé aussi. C'est parfait alors. Normalement, nous allons vers la côte de la pieuvre. On m'a signalé dans l'oreillette que mon son était trop fort par rapport aux autres, donc je me suis baissé un peu. Sur le stream, j'entends. Ok. Merci, oreillette Noémie. Ce n'est absolument pas Noémie en plus. Ah merde. Merci l'oreillette. Merci, Mimi le chat. Mimi. Ok. Alors, par Alors. contre, Esperluette et guillemets qui sont écrits sur les boutons C'est d'action, c'est très quand moche, on est même. d'accord. Oui, voilà.
Parce qu'à la base, c'est 1, 2 et 3, mais il faut que tu restes limite en caps lock si tu veux que ça soit joli, quoi. Alors attention, nous avons une touche pour faire une roulade. Si nous faisons une roulade dans le vide, nous tombons. D'accord. Dans le vide, vide. Nous, si on clique comme l'exemple sur l'eau, vous ne tomberez pas, mais si vous faites une roulade, vous tombez et vous perdez de la vie. À noter qu'on peut pas faire une roulade tout le temps. Ouais. Il y a un CD sur la roulade. Ouais. Il y a un CD sur la roulade. Ouais. Et il y a même une petite animation où ton perso, il y a des gouttelettes de sueur qui tombent. C'est vrai. J'ai l'impression d'être Jeanne Christel qui reprend Gilneas, quoi. Ah, quand même. C'est précis. Alors attends, c'est quoi alors? Ah d'accord, clic droit pour l'arc. Voilà, clic droit pour l'arc, sont tout est mal, tu l'auras. Bah, en fait, l'icône de la souris est pas ultra flagrante sur la barre d'action. Ah ouais, c'est un peu petit, je trouve. Je me disais, c'est un peu un O, je sais pas trop ce que c'était. Alors bien sûr, quand on lance des flèches, ils peuvent se coincer dans les murs comme dans Minecraft. Mais on peut pas les re-ramasser, si? Non, non. Mais elles restent coincées au bout d'un moment sur le mur. J'aime ce bruit de coffre. Mais qu'est-ce que je l'aime? Le coffre. Le coffre. Ah, l'ouverture du coffre dans Minecraft, j'aime beaucoup. Alors... Par contre, quand on va être tout à l'heure, ça va être marrant quand on va avoir récupéré du manger et des flèches. Il va falloir que tu refasses un point sur le stuff parce que moi j'ai pas compris, sans déconner. On fera ça dans le camp. Okay. Ah, en tout cas, pour l'instant, le tuto c'est ultra passionnant. Hein. Ouais. Attends, j'ai une superbe flèche pyrotechnique. Ouais. Et puis c'est pas... Vous avez gagné un level. J'y suis pas encore. J'arrive d'arriver sur... Cool. Qu'est-ce que c'est que ceci? Est-ce que c'est l'archi-la-joie? Oui. Méchant archi-la-joie. Je viens de gagner un niveau. Pas mal. C'était trop dur. Alors, à un moment, vous allez avoir un coffre sur une petite île. Pour y aller, il faut faire une roulade. Je viens de le faire. Sinon, vous tombez, c'est pas cool. J'ai failli tomber. D'accord. Ça s'est joué à un pixel près. Hein. Mais ça dépend, parce que là, moi, je suis dans de l'eau et... Et j'ai pied, quoi. Et voilà. Ah oui, on revient au camp en fait. Ouais, c'est ça en fait. Ce sera notre camp de base. Oui, j'ai compris l'inventaire, arrête de pop. D'accord, bon. Ah, le problème c'est qu'on va tous arriver dans notre camp. Il va falloir que je vous invite après quoi. Oui, c'est ça. Tout à fait. Ok. J'ai gagné une canne à pêche. Ouais. Je vais pouvoir pêcher. Yes. Mais est-ce que tu as Isabelle Morini Bosque? Non, elle est pas là. Quoi? Alors, c'est une référence à Evoland 2. Il y a un personnage qui pêchait et je sais pas pourquoi, pour moi, c'était Isabelle Morini Bosque, la journaliste. Elle lui ressemblait beaucoup. Elle lui ressemblait, mais fortement. Voilà. Bon, elle m'a pas répondu sur Twitter hein, parce que j'ai demandé. Attends, au cas où. T'as vraiment fait ça? Bien sûr. Mais quoi? Mais t'es malade. Je sais jamais. Imagine, tu passes à TPMP. Imagine. Ouf. Non, ça m'étonnerait. Alors, oh non, y a Kipon, on a pris le même personnage. Oh. Alors, ça y est, je suis dans le camp. Comment est-ce qu'on fait pour se rejoindre? Alors, tu appuies sur F et tu appuies sur rejoindre Yaki Pompon. Je ne peux pas rejoindre Yaki Pompon, je peux rejoindre que Draken personnellement. Ah, donc, tu me rejoins moi qui suis chez Yaki Pompon.
Je vous invite. Et j'arrive. Oh mais non, on a pris le même perso. Bah oui. Change. Je moustachu. Change. Non. Si, je suis le bonhomme à moustache. Le petit bonhomme à moustache. Alors. Hop, je porte Jake sur mes épaules. Oh. Alors, on va parler du système de niveau. Alors appuyez sur la touche d'inventaire. Oui. Normalement, vous avez tous gagné un level. Donc en haut à gauche, vous avez l'argent pour acheter des armes. Et juste à droite, à côté, c'est les points de niveau. Et quand vous cliquez sur une de vos armes ou d'armure, vous pourrez mettre des enchantements dessus. D'accord. Ça change selon l'arme. Donc vous avez deux enchantements ou trois disponibles. Et bien évidemment, quand vous recyclez une arme, ce que vous fera tout à l'heure, vous récupérez les points investis. Ça, c'est pas mal. Donc à vous de choisir ce que vous voulez prendre. Pardon, mais j'en ai marre d'avoir la fenêtre envoyer un message à vos amis. Voilà. Alors, tu vas dans les paramètres et tu fais jeu et indice dans le didacticiel, non. Ah, c'est pas bête. Paramètres, jeu. Et indice dans le didacticiel, okay. Vous le mettez non. J'applique aussi parce que c'est embêtant. C'est un peu pénible. Avant dans cette émission, je vous présente Henri. Julie, l'aventurier de World of Warcraft qui a pris un petit coup de vieux. Il avait pris sa retraite et il se lance dans cette nouvelle aventure pour sauver les villageois avec ses compagnons. Voilà. C'est quoi cette chemise jaune moche? C'est mon ancienne armure jaune que j'ai recyclée. D'accord. Je vous présente. Les boutons sont au travers. Moi, je vous présente Bill de qui est-ce? Avec cette belle barbe et ce beau crâne luisant. Bah, moi, c'est Roger, et je crois à côté, ça doit être Patrick, mon frère jumeau. Ouais, voilà, on est les frères Karamazov. Voilà. Oh. Rodriguez. Ouais. Rodriguez. Est-ce qu'on lancerait pas une mission au lieu de dire de la merde? Alors, allez-y. Allez. Donc. Ah mais je dois le faire, c'est ça? Non, tout le monde peut le faire. Ah ouais? Bon bah je te laisse. Tout le monde peut choisir, mais en fait on devra accepter ou non en fait. Bah je te laisse lancer, tu connais un peu mieux. Alors c'est parti. Où on en est? Donc nous allons aller dans le bois des creepers. Ah oh, c'est alors, original. Est-ce qu'on lit l'histoire du bois des creepers ou pas? Oui. Oui. Donc Ralga, je vais vous laisser d'accord. Parler parce que moi avec ma belle voix. Allez où l'histoire? Ah là.